Allez les amis, aujourd'hui dans Boulangerie par rapport, on va apprendre à faire ça. Un petit pain à la bière avec un appareil tigré. Donc c'est deux nouveautés, on ne les a jamais fait sur Boulangerie par rapport. Donc voilà, suivez bien la recette. Moi j'ai fait quelques petites esquives de la recette, mais tout se voit en résultat produit fini. On va faire le débrief à la fin. Suivez bien la recette et vous aurez un pain délicieux, vraiment, qui va varier les plaisirs. Allez, bonne vidéo et à bientôt. Ah voilà, commençons la nouvelle vidéo sur des bonnes bases. Allez, aujourd'hui on va se faire un petit pain à la bière. Donc c'est mon premier, j'en ai jamais fait encore. Donc on m'a transmis très généreusement une petite recette sur internet, hein, sur les réseaux, sur Facebook. Ça ne sert pas que à critiquer, ça sert aussi à donner plein de conseils et d'astuces. Donc voilà, on va partir aujourd'hui tout simplement sur une petite pouliche. Donc farine tradition T65, 450 grammes. De la bière, donc moi j'ai pris une bière brune. Alors voilà, j'avais trouvé ça dans le commerce, je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, je ferai peut-être un test avec une bière blonde. 450 grammes, donc elle n'est pas très froide, hein. Je l'ai mis à température ambiante, histoire d'avoir une belle activité. Et de la levure 3 grammes. Allez, on y va, on va se préparer un petit mélange, une petite pouliche à laisser toute la nuit à température ambiante, je pense. J'ai mis ma levure, ma farine et je vais mettre 450 de bière brune. Voilà, nickel. Et on mélange tranquillement à la main. Moi, j'aime bien mélanger à la main. On peut mélanger au fouet. C'est beau aussi. Alors, mon mélange est effectué, ma pouliche. Donc là, il parlait de mettre la pouliche à 8 degrés, entre 8 et 10, pendant 12 à 15 heures. Donc, c'est compliqué. Hein. Moi, ce que je vais faire, je vais la mettre à température ambiante. Donc là, il doit faire dans les 19-20 degrés. OK. Et mon mélange, il est à 17 degrés. Donc, c'est pas trop froid. 17 degrés et ça va partir pendant 12 heures. À 19-20 degrés tranquillement à température ambiante, surtout bien filmé, et on verra le résultat demain. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc le jour 2, donc notre petit pain à la bière. Donc on arrive notre pouliche. Donc moi je filme toujours tranquillement, je filme pas au contact. On peut sentir pour voir s'il y a eu un bon petit travail, voir l'odeur de votre pouliche. Donc ça doit donner ça à température ambiante, hein. Tranquille, il fait dans les 20-21 degrés, il n'y a pas de risque, hein. C'est une pouliche, de toute façon ça va pas partir au courant. On y va. Ensuite, donc, j'ai préparé mes ingrédients. Donc, ma farine trad 450, de la farine de seigle T130. Bon, là, j'avais pas de T130, j'ai pris de la T170 exactement, 100 grammes. Bière 200, sel 18, levure 6, bassinage champ. Voilà, j'ai tout mis. Je vais mettre dans une cuve de batteur ma bière. Donc, elle est là. Donc ma bière, elle est un petit peu froide, je pense que je vais attendre 5 minutes. Donc c'est toujours pareil, hein. C'est presque comme une TB. Bon, j'ai pas envie de la réchauffer manuellement ni avec un micro ni rien du tout. Je vais juste la laisser un petit peu tranquille. Et ensuite, de toute façon, il y a la levure et la pouliche qui vont servir à la fermentation. Là, ça va être surtout pour apporter du goût, hein, techniquement. Et voilà, on met ça au batteur et on y va pour le pétrissage. Alors je mets ma bière, je mets une petite pouliche et ensuite mes ingrédients secs bien pesés. Et ensuite on va pétrir, donc là avec mon batteur je vais pétrir tranquillement pour changer, je vais pétrir 8 minutes en première vitesse, tranquillement, calmement, bassiner si besoin. Et ensuite je mettrai un petit peu de deuxième, 2 minutes en deuxième pour accentuer le réseau. Là ça pétrit gentiment, il reste 3 minutes. Donc quand on parle de bassinage, voilà ma petite bière de bassinage. Le bassinage, ça se fait généralement une fois que le réseau est bien formé, hein. Donc ne vous précipitez pas, parce qu'une fois que votre réseau glutineux justement est formé, vous allez pouvoir bassiner et mettre de l'eau pour rendre votre pâte un petit peu plus douce. Ok, donc cette douceur va permettre un meilleur développement. Donc là, je vais attendre et au passage en deuxième, je vais bassiner un petit peu avec de la bière. Parce que là, elle est pas mal, hein. Elle a une bonne consistance, mais je pense qu'un peu plus douce, ça donnera encore mieux. Voilà, et on bassine gentiment. Tranquillement. Par contre, le problème avec ce pain, c'est que ça donne soif. Hein. Je vous le dis. Donc là, je débac. Je me suis pris un petit bac graissé, comme habituellement. Je fais un petit check-up. Là, je vois que ma pâte est bien pétrie. On a un joli réseau. Hop, elle a une consistance bâtarde, douce. Elle commence à être un petit peu douce. Je vais lui faire un petit rabat. C'est ça qui est avantageux de travailler dans les bacs. Et ensuite, je vais laisser un pointage de 45 minutes, je vais faire un rabat et je vais relaisser 45 minutes. Voilà, histoire de lui donner un petit peu de force en milieu de pointage. Donc voilà, ça va être ma technique, c'est ce qui est marqué sur la recette, je suis la recette.
Donc voilà, vous pouvez faire, si le pointage dure une heure, vous pouvez faire au bout de 30 minutes un petit rabat. Ça va lui redonner un petit peu de peps parce que là, c'est une pâte qui va manquer dans peu de temps de force. Et comme on veut que ça crache un petit peu avec le tigrage, voilà, on va laisser en pointage et après, on se retrouve pour le rabat. Bon, après 40 minutes, donc comme prévu, hein, j'ai une pâte qui n'aura plus trop de force. C'est normal entre la bière, etc., la pouliche. Voilà, je vais faire un bon rabat et je vais relaisser 40 minutes de pointage. Et ensuite, on attaquera la division. Et allez, après la deuxième phase de 40 minutes, donc là on voit déjà que la pâte a beaucoup plus de tenue qu'après le premier pointage, donc avec le rabat plus la fermentation, on va avoir une pâte qui se tient bien. Je vais diviser en 3 pâtons de 560, donc je vais faire des grosses pièces, mises en forme boule, et ensuite on façonnera nos triangles tranquillement. Voilà, quand les pains sont bien mis en forme, avec de la force, je laisse en détendre 10 minutes. Pour le façonnage, donc, il y en a qui vont faire simplement des boules. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui avec ces pains, on va se faire un petit triangle. Donc, on va fariner, on prend notre pain, on le tourne. On va s'armer d'un petit rouleau. On va prélever une petite languette. Et ensuite, on va rabattre sur le milieu. On va renouveler cette opération 3 fois de suite. Donc là, on entend bien les bulles de gaz qui sortent, donc c'est très bon signe que la fermentation est active. Et une fois que c'est fait, on va le tourner et le déposer sur notre plaque. Voilà, déposer sur plaque tranquillement, le beau côté sur le dessus, comme ça je vais plus le toucher. Et voilà, donc là j'ai tout mis sur ma plaque. Donc au niveau de l'après, ils annoncent 1 heure à 1 heure et quart. On va partir sur 1 heure. Tranquillement, à température ambiante, là il fait dans les 23-24 degrés. Voilà, bien couvert, tranquillement, avec un petit plastique. Mon appareil à tigrer. Donc pour mon tigrage, je vais partir sur cette recette. 300 g de T130, bon je vais mettre de la T170, que j'ai pas de la T130. 250 de bière, qui est à température ambiante. 5 g de levure, 5 g de sel. Je vais les préparer au bout de 30 minutes. Et je vais le laisser fermenter 30 minutes. Donc là, au bout de 30 minutes, je prépare mon appareil à tigrer. Allez, pour mon appareil à tigrer, donc je prépare 300 g de T130. Normalement, là, j'ai de la T170. 5 g de sel, 5 g de levure. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme. Même si ça se touche, c'est vu le temps que ça va se toucher. Et 250 g de bière brune, là, pour cette recette. Et je mélange. Ouais, je vais mélanger au fouet, je vais pas perdre mon temps. Ça va être un appareil qui va être assez liquide normalement. Ça devait être liquide, mais c'est pas liquide. Donc, on va bassiner un petit peu. Je vais rajouter un petit peu de bière hein, pour avoir un mélange quand même un petit peu plus doux, un petit peu plus liquide. Bon, je vais bassiner. Hein. Tout ça, ça dépend de votre farine et surtout, voilà, la quantité d'absorption de la farine. Donc là, c'est une T170. Ça doit boire plus qu'une T130 déjà, normal. Et puis après, voilà, en fonction du temps de plancher, de tout ça. Là, au niveau de la consistance, je pense qu'on est mieux. Hein. Donc là, j'ai mis 500 de bière. J'ai mis 2 bières en tout. Généreux sur la bière. Mais je pense que ça sera mieux. Hein. Donc là, voilà, je le réserve. Je vais bien le filmer, bien corné, bien filmé. Et je vais le réserver 30 à 45 minutes à température ambiante. Voilà, sur la fin de ma pousse. Et ensuite, on va l'appliquer sur le pain. Après 1 heure et quart d'après, on y va, on va passer à la partie tigrage. Donc, je prends mon pinceau, hop, mon appareil à tigrer. Je vais le répartir généreusement sur mon pain. Mais un petit peu ferme l'appareil encore. Voilà, quand c'est bien réparti, je vais mettre un petit coup de farine T65. Et ensuite, on passe à la mise au four à 250 degrés et c'est parti. Et voilà, cuisson terminée, reçuage terminé. Alors vraiment, au niveau de l'aspect final, donc on était parti là-dessus. Voilà, bon, on n'a pas un aspect qui est parfait. Ça manque un petit peu hein, de tigrage, ça manque un petit peu d'ouverture. Donc, c'est la première fois.
bien sûr. Et à chaque fois qu'on fait un pain, on peut analyser, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Donc en goût, c'est vraiment très agréable. On a une mie qui est alvéolée. J'aurais peut-être pu l'hydrater un petit peu plus. Mais voilà, on a un produit quand même qui est bon. Et en goût, on arrive à ressentir la bière brune. Alors vraiment cet aspect un petit peu caramel qu'on va ressentir au goût. Après, en travaillant sur d'autres bières, je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire vraiment plaisir. Là j'avais pas de magasin spécialisé, etc. Mais je pense qu'on peut faire vraiment des choses magnifiques avec des bières. Voilà, on va le retrouver dans certains livres. Bon, on a un aspect voilà, qui est pas mal, c'est pas incroyable, en boutique ça peut largement passer. Donc au niveau du débrief, dans la pétrissée, donc moi je suis parti sur de la farine T170, une farine qui est plus typée, donc ça peut venir un petit peu de là. La T130, c'est, voilà, ça aurait peut-être apporté un petit peu plus de tenue. Ma bière, ça a été sur mon bassinage aussi. Et pareil, pour mon appareil à pain tigré, donc là, je suis parti sur 300 de T170 à la place du T130. Et voilà, en boulangerie, de toute façon, tous les changements au niveau de la farine vont avoir un impact sur le produit fini. Donc, bien sûr, vous me connaissez, je vais recommencer, je vais ajuster pour avoir un résultat au top. Mais en tout cas, c'est important de comprendre que dès qu'on va varier au niveau des farines, on va automatiquement avoir un impact sur le produit final. Voilà. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais me remettre à faire un petit peu de pain tigré et je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Papa. N'oublie pas de partager et de s'abonner. Ciao, ciao les amis.